Bientôt, la route Kamina Kabongo et la route Kabondo Dianda Malimbankoulou seront réhabilitées. C'est sur ressort de l'audience qu'a accordé son excellence Madame le vice-gouverneur de la province du Olmami, Chimène Lunda, représentante du gouverneur empêché au directeur général adjoint de la Société des infrastructures sino-congolaises, SISC en sigle, dans son office de travail au gouvernement des provinces, dans l'avant-midi de ce vendredi 5 janvier 2018. Chimène Lunda, assisté par quelques membres du gouvernement, a réussi l'explication relative à cette coopération sino-congolaise qui vise la réhabilitation des infrastructures routières et d'autres infrastructures dans le pays. Pour ces projets, qui visent l'entretien de ces deux routes à intérêt tant national que provincial, il est à noter que la société CREXET sera à pied d'œuvre dans peu de temps. Voilà des réponses de la décentralisation qui vise le développement de la RDC. Le ministre provincial des infrastructures, son excellence l'ingénieur Arsène Kintuntanki, qui a été aussi présent dans cette audience, a donné d'autres précisions à la sortie de l'entretien. C'est une délégation qui est conduite par le numéro 1 de la CGT de Olomami, Merlin. Il a amené une délégation de Kessis, que c'est une société d'infrastructure en tout ce qui concerne le projet sino-congolais. Ils sont ici pour nous construire deux routes, à savoir la route qui va de Kamina à Kabongo et celle qui va de Kabondo Dianda à Malimbankou. Ce sont deux routes qui seront ouvertes par les CGT bientôt là. Et la société qui est choisie pour la cause est CREXET. Et on va devoir faire une descente dès demain vers Kabongo et après, légèrement après, vers. Là, nous remercions en passant le chef de l'État parce que nous sentons vraiment qu'il est avec nous et il vient de financer un projet au Olomami qui va devoir commencer tantôt là. C'est une manière de dire que non, il est attentif à tous les projets dans tous les pays, pas bien sûr à des endroits bien précis. C'est une joie pour nous, c'est une joie pour toute la population. Nous remercions son excellence de gouverneur des provinces et de la province. Il cesse de se démêler pour